Je m'appelle Xavier Papocam, on m'appelle aussi le professeur X, je représente la Snake Team et je viens de la boxe thaï. Mes points forts, je dirais ma boxe pied-point, vitesse d'exécution, ma lutte et mes points faibles, je laisse le soin à mon adversaire de découvrir mes points faibles. Jean-François Lenoig, équipe haute tension. Et mon style de base, c'est un art martial vietnamien qui est le Vuochat. C'est le kung-fu vietnamien. Mes points forts, c'est le striking, c'est l'anglaise, le kickboxing, etc. Tout ce qui est lutte. Et après, on va dire un petit point faible sur le sol. Je vais affronter le plus grand trade de la planète lors du 100% fight. Je ne crains absolument rien de Xavier. Je pense qu'il y a des choses qui vont se régler. Et comme lui porte bien son nom, 100% fight, ça va être un joli règlement de compte. On dit que j'aime pas Jean-François Lenoig. En fait, c'est pas exact. Je le déteste. Je le déteste parce qu'il représente pour moi tout ce que je déteste chez un être humain. Il est narcissique à outrance, égocentrique au possible, de très mauvaise foi. Enfin, c'est vraiment quelqu'un à qui on peut pas faire confiance. Je pense que The Snake a dû influencer Professeur X. Et puis voilà. Donc, résultat des courses, il y a tellement d'ambiguïté, il y a tellement de choses qui font que je les aime pas. Moi, aujourd'hui, je les aime pas, c'est clair et c'est dit. Lors de ce combat, en fait, les principaux pièges vont devenir de moi-même. Je vais devoir me méfier. Je pense essentiellement du fait de ne pas laisser l'émotion prendre le pas sur la raison. Je vais essayer de garder mon cerveau allumé suffisamment longtemps pour pas entrer dans une bagarre de type roulette russe qui pourrait éventuellement lui créer des opportunités qu'il n'aurait pas eu autrement. Et le boxer proprement et mettre un terme à ses souffrances assez rapidement. Je m'entraîne tous les jours, en raison de 3 fois par jour. Voilà, donc j'ai fait une grosse préparation. Et je vais pas dire trop parce que j'ai pas envie. En fait, il pense être un grand striker, mais il a une boxe de fuyard. Il passe son temps à reculer. Il a un bon coup d'œil, c'est clair, pour les esquives, mais il passe tellement son temps à reculer qu'au final, il est pas efficace. Est-ce que le combat va faire que ça va atténuer un peu la rivalité qui nous oppose, le fait qu'on se déteste? J'en sais rien. Et franchement, je me pose pas la question. Emporté par son ego, il pourrait tenter de me rentrer dedans dès le début. Ça me tuerait qu'il fasse ça parce que si jamais il essaye, je vais le contrer et l'abattre en sommation. La deuxième possibilité, c'est qu'il passe le combat à fuir et qu'il attende la décision, comme il fait souvent. Et je vais devoir, dans ce cas-là, faire attention à bien suivre sans lui courir après. Et une fois que j'aurai mis la main dessus, je vais le torturer. Ben, KO. J'espère que je vais le mettre KO premier round. Xavier, depuis le temps que ça devait se régler, ça va se régler. Je te promets la guerre. Ce soir, je pars à la chasse aux traîtres. Je suis venu t'abattre. C'est l'heure de la punition.